Vous avez trouvé des traces, même ici. C'était vraiment impressionnant quand cet endroit fonctionnait. Mais croyez-le ou non, l'odeur était encore pire à l'époque. Peut-être que cette voie vous mènera à un endroit qui ne pue pas autant. Fermé, verrouillé, bouclé. Ici-bas, on se sent à la fois protégé et pris au piège. Vous devez réguler les valves pour qu'elles se relient. Maintenant que tout est débloqué, rien n'entrave l'écoulement. Ça, on dirait qu'il faut rebrancher les câbles par étapes, en accord avec chaque séquence, pour générer assez de courant pour qu'il se passe des choses. Vous devez rebrancher les câbles de sorte que chacun corresponde à la séquence.
Vous devez rebrancher les câbles de sorte que chacun corresponde à la séquence. C'est bien cadenassé. Vous devez rebrancher les câbles de sorte que chacun corresponde à la séquence. C'est fermé à double tour. Vous devez rebrancher les câbles de sorte que chacun corresponde à la séquence. Vous devez rebrancher les câbles de sorte que chacun corresponde à la séquence. C'est verrouillé, c'est verrouillé. C'est un panneau. Activez les interrupteurs dans l'ordre pour faire passer le courant et agitez les électrons dans le panneau. Bien, la boucle est électrisée et prête à étinceler. Il y a de la beauté en toute chose, mais là...
gens tourneraient gentiment les talons. Élimination, une. Écoutez les créatures de la nuit. Il n'y a pas assez d'air ici. Trouvez une clé qui corresponde. Parfait pour tailler dans le gras. Thank you.
Mode d'emploi, pointez le museau dans la direction souhaitée. Dis qu'il était temps que vous réalisiez que vous ne pouviez plus éviter d'aider les gens. Comprends que vous ayez d'autres miaou à fouetter. Vous devez aligner les boutons pour qu'ils correspondent. Attendez-vous à traverser des endroits bien pires que celui-là. Avez entendu dire que Gizmo vous attendait au parc Kachu, mais vous avez déjà réglé ça. Vous dit no problemo. Wouah ! Voici du récup en métal comme on l'aime. C'est un excellent moyen de transport.
Génial. Du récup en bois d'écorce, rien que pour vous. Attention, vous avez trouvé le village de Trou de Brog. Voyons voir. L'atmosphère est si sèche et poussiéreuse. Dit que le Brog qui vit au beau milieu d'un tas d'ordures lui fait terriblement peur. C'est la bouche béante qui sort de terre. Elle est affamée. S'ils ne le nourrissent pas, il risque d'avaler tout le village. Crois qu'il ne bouge pas trop. Faites attention où vous marchez. Dit que c'était un endroit chouette avant que le Brog vienne d'en dessous. Quelqu'un doit donner à manger au Brog. Quelque chose de miam-miam ou qui fait boum. Personne qui vit ici n'en est capable. Et vous ? N'a rien contre cette idée. Prenez cet amas de cracra mangé et jetez-le dans la gueule du Brog. Les histoires continuent. Prenez cet amas de cracra mangé et jetez-le dans la gueule du Brog.
Prenez cet amas de cracra mangé et jetez-le dans la gueule du Brog. Ben au moins, on sait que le Brog est rassasié. Pour l'instant. La pizza, oui, oui. Vous avez bien nourri ce monstre. Fini les problèmes avec le Brog. Vous dites de revenir quand vous voulez. Filez comme le vent. Vous savez ce qui est bien avec ces montures? Pas besoin de faire le plein.
femme facile. L'abri-boom 9L. J'espère qu'il reste quelque chose dedans. Un coup dévastateur. Une arme conçue, il faut une clé. Vous devez rebrancher les câbles de sorte que chacun corresponde à la séquence. Voici Providence. Il y a un excellent établi d'amélioration dans ce mini-piaf. Voyons voir. C'est toujours une bonne chose d'avoir du récup en bois à portée de main. Cette monture ne manque pas de ressort. Dit que vous aurez une réduction spéciale et un prix d'amis en bonus. Vous dit de ne pas vous précipiter. Il vaut mieux prendre son temps pour faire de bonnes affaires ici.
Si une histoire vous concerne, mettez-vous en scène. C'est le coin d'écu. Une bande de pillards sans cœur. Combat rapproché. Cette personne semble être de bonne humeur, bien qu'on l'ait abandonnée à son sort ici. A entendu dire que vous savez éprouver de la compassion et croire que c'est dans votre nature d'aider ceux qui en ont besoin. Vous demande de faire ce qui est juste, en votre âme et conscience. Se réjouit de voir que vous faites ce choix. On ne peut faire preuve de bonté sans aider autrui. Vous pourriez tirer à travers ça. Le futur est entre vos mains, alors prenez-en soin. Le vertige, c'est pour les faibles.
un autotunnel. C'est l'endroit idéal pour avaler des kilomètres. Personne ne peut résister à un coup comme ça. Sous terre, c'est un monde à part entière qui se dévoile. On appelait ça une pyrobase. Mais je vous arrête tout de suite. Ça servait à éteindre les incendies, pas à les allumer. Ne trébuchez pas, gardez le rythme.